Bonjour à tous les gens. On se retrouve ici pour une course de ligue, donc une course tous les lundis à 12h30. Alors je viens de constater que apparemment on est tous de l'IA, qui est réglé d'après ce que j'ai vu tout à l'heure à 20%, donc ça va pas être d'un grand intérêt. On va quand même faire la course parce que j'avais prévu de la faire et j'avais prévu de faire la vidéo, donc on va faire les deux. Je verrai bien si je mettrai la vidéo en ligne ou pas. Si c'est un circuit sur lequel j'ai déjà un peu roulé. Par contre, je n'ai pas encore mes propres réglages, donc je ne sais pas quel réglage je vais choisir. Et en plus, nous pouvons constater qu'il pleut, puisque nous avons le choix entre des pneus intermédiaires ou des pneus pluie. Donc, choisir un réglage avec un gros appui aérodynamique que j'ai déjà roulé sur ce circuit-là, mais jamais sous la pluie. C'est parti, on a un tour de qualif, 25% de distance de course. Ça ne freine pas, ça ne tourne pas, le chrono va certainement pas être bon. Premier avec 2 secondes d'avance, bah, ça va aller. On va s'accoutumer comme ça. Essayer de pas faire trop de bêtises pendant la course, ça me permettra peut-être d'engranger pour la première fois des points dans cette ligue. Toute l'équipe est derrière toi, montre-leur de quoi tu es capable. On va rajouter un peu d'essence, alors je prends la stratégie avec un arrêt ou la stratégie sans arrêt. Prévoir la stratégie avec un arrêt comme ça, si rajouter déjà un petit peu d'aileron. Un petit peu de frein à l'avant.
Donc je choisis la stratégie avec un arrêt, comme ça si jamais j'abîme un petit peu la voiture, elle sera réparée en même temps. Pas vraiment le début idéal, mais la course n'est pas encore terminée. Reste concentré. En effet, il y en a mieux comme départ, mais ça va, je suis cinquième. Il y a 14 tours à faire, je vais essayer de ne pas faire les mêmes bêtises que celles que j'ai faites la semaine passée sur le circuit du Bahreïn, où je touchais un petit peu tout le temps. J'avais même pas l'intention de le dépasser. Mais... j'ai l'impression qu'il était à l'arrêt. Donc... Super boulot, tu viens de signer le meilleur temps. Je perds énormément de temps dans les lignes droites et à l'accélération. Par contre, dans les passages des courbes, je suis vraiment à l'aise. Il restera à trouver à quel endroit pouvoir passer. Quelle courbe et comment.
l'intérieur, j'avais pas prévu qu'il allait refermer comme ça. Pour l'extérieur, j'ai déjà remarqué depuis un tour ou deux que là je pouvais passer. Par contre, la touchette sur le virage d'après à l'intérieur, c'était pas du tout prévu. Je m'attendais pas à ce qu'il referme la porte comme ça et à ce qu'il soit aussi lent. Donc maintenant, je me retrouve 9e. Vraiment fort. Dans les intérieurs, ça ne passe pas apparemment. Perdu position, dommage. Ça allait presque passer. Ça passait. Là, je suis vraiment déçu parce que le dépassement était pas mal. Il avait aucune raison de se rabattre comme ça sur moi. Presque totalement dépassé, j'étais sur la trajectoire, c'est lui qui est vraiment revenu. Je me suis mis hors trajectoire pour le dépasser, je suis pas resté sur lui, c'est vraiment lui qui est venu me retoucher.
d'écart avec la voiture qui te précède est de 8,2 secondes. Entre sur ce tour, donne tout ce que tu as. La question se pose. Vu comme je suis revenu sur eux, quand j'ai la piste dégagée, est-ce que je rentre? Au départ, j'avais le choix entre une stratégie à un seul arrêt. Sans arrêt. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,9 secondes. Est-ce que je rentre ou est-ce que je vais jusqu'à la fin de la course avec ceci? Tu vas rentrer au stand. Surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Si je rentre maintenant, je vais perdre du temps. Après, j'aurai la piste dégagée et de nouveaux pneus. Par contre, si eux ne rentrent pas, je ne saurai plus les redépasser après. Je ne vais pas rentrer. Et je vais me concentrer parce que là j'ai rien repris.
très 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 difficile de dépasser. Il n'y a pas la place entre deux voitures. La charge de la batterie est élevée. On va augmenter l'utilisation de l'ERS pour hausser le rythme. L'objectif carburant est à plus 1, passe à un régime moteur supérieur. Reste 5 tours de carburant. J'ai été surpris, je l'ai pas vu. Drapeau vert. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont tous décidés de pas s'arrêter. Donc. Attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps.
ça a failli toucher, j'ai dû écarter. Nous avons près de 4 tours de carburant. L'écart avec le pilote de devant est de 1,6 secondes. Joli, à le voir, on croirait presque que c'est facile. J'espère que j'aurai pas de pénalité, j'ai déjà eu de la chance de rien casser, parce que là j'étais très surpris par leur freinage. Creuse l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière, ne lâche rien. Reste 2 tours de carburant. Et bien, vous allez penser que j'y vais un petit peu fort sur l'explication là. Je suis désolé, quand je suis intercalé à l'intérieur et que je sais pas freiner parce qu'il y a l'autre qui est derrière moi. Bien, mais à un moment, il faut que je me mette quelque part. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Par exemple, moi je vais refermer pas la porte. Je vois qu'il est là, je vais pas fermer la porte sur lui. C'était une manœuvre de toute beauté, tu as gagné 2 places d'un coup.
pas entendu, il y a des interférences. Bon ben voilà, c'est déjà ça. Par rapport au départ, c'est très décevant. Mais bon, ça ramène quand même quelques points. Avec 9 points, premier à 43 points. Espérons que je commence à faire des meilleurs résultats parce qu'au chrono, il y a moyen. Il y a moyen. À bientôt, tout le monde.